Salut! Allô? Salut, Seb. Merci. Merci d'avoir accepté cette invitation-là. Un Très plaisir. cool. Là, t'es où, là? T'as un beau décor derrière toi? C'est ma chambre, ça. Non, 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 je suis au Capitole de Québec. On est dans une période de Rose Battle, puis là, on anime un gala. Fait que je passe quasiment le mois d'août à Québec, là, une année. Fait que une chambre au Capitole. Un vrai C'est malade. rêve. Ça a l'air d'une très belle chambre. En tout cas, merci de prendre du temps pour être avec nous. Puis, je me demandais, à part ton mois d'août au Capitole, comment tu vas en général? Ça va bien, ça va quand même bien. La vie va bien, les jeunes poussent. La vie se passe, ça va super bien. Sinon, pour la job, on est bien heureux. On a parti un projet de podcast qui est Rince-Crème, qui nous a dépourvu qu'un Oui! pas. Ouais, qu'on est vraiment, vraiment heureux. Ça a retardé même on commençait à écrire pour le prochain show, puis ça a repoussé ça un petit peu. On se concentre beaucoup sur notre Patreon pour alimenter chaque semaine des sketchs, des tunes, des patentes. Fait on est super occupé avec ça. Fait que ça va bien. Une bonne période. Fait que c'est bien le fun. Ben, écoute, bien sûr. Rince crème, j'adore ça. Ouais. Tellement câble. On aime bien ce mot-là depuis des années. Puis pareil, dans le dictionnaire, il marque qu'on ne peut même plus utiliser ça. Mais là, c'est pas eux autres qui rentrent, mais c'est cream rinse. C'est un anglicisme. Fait que ça se dit même pas rince crème. Fait que c'est comme parfait. Hurler, ça paraît. Ma mère elle disait ça. Genre, je Ouais. sais qu'est-ce que vos Mets du parents rince disaient ça. crème. Ouais. Mets Mets du du rince rince crème là, dans crème. tes cheveux, sinon tu fais des nœuds. Voilà, fait que ça part de là. Dans le brainstorm, on a repopé rince crème. On a dit, ce mot-là sonne Voilà. parfait, on ne l'entend plus. Fait que... C'est C'est comme le comme monde de qui dit la encore crème. Club Price, là. Ça me fait rire aussi. Et ça. Les Rolling Shoes. Ouais, il y a une chou. Anywho, tu es familier avec le concept un peu de notre podcast. Ouais, Et ben. bon, c'est assez rapide, là, mais parce que ce moment donné, on s'éternise avec une anecdote. Fait que nous, dans le fond, pour ceux que c'est la première fois qu'ils entendent le concept, c'est qu'on invite des gens à nous raconter la fois qu'ils ont eu la chienne de leur vie. Et là, toi, tu as une anecdote savoureuse concernant la chienne de ta vie. Oui, bien, elle était un peu courte. Je pense que j'en ai deux plus courtes, mais qui en font une dans l'enfance puis une à l'âge adulte. Fait que ça... Let's go crazy. Ouais, Oh my God. oui. je parle là, de même ou. Vas-y. Ben, je peux te faire une mise en abîme, là. Où étais-tu la première fois que tu as vu la chienne de Non, ta non. vie? Moi, je peux pas attendre, là. Je veux savoir tout de suite, là. Ben en plus, moi, jeune, j'étais un enfant méga peureux. Là, adulte, à peu près, peur de rien, mais enfant, parce que je consommais énormément d'horreur. Mon frère Martin, on était des fans de série B, puis tout, on louait tout, à peu près ce qui existait. Jason, sur l'heure du dîner, à la place des Flintstones, on se tapait Jason 4 en Sur la mangeant. Ouais, c'était un peu inquiétant, mais ça fait que je tripais bien dans le jour, mais le soir, tout seul, là, le baquet, là, il fallait quand j'allais chercher de la liqueur là, dans le sous-sol, mes parents, il fallait que quelqu'un chante en haut pour que j'aie une présence. C'est quasiment plus épeurant, là, ma mère chante en descendant de la cave. Fait que c'était avait-il un... une toune en particulier dont tu avais besoin ou? Non, c'était assez... là, c'est encore pire. C'est vraiment Oui. épeurant. Ça avait été du Martine Sinclair, me donnait un beau, mais là, c'était juste psychédélique. Fait que c'est ça, c'était un enfant assez peureux, puis tout ça. Puis on était déménagé de nouvelle maison, puis il y avait une gang de gars, il devait avoir peut-être 14, moi j'avais peut-être 8, puis les autres, il y avait des trois roues, des quatre roues, il y a comme un pit en arrière. Puis il était comme passé proche, à un moment donné, en me criant quelque chose. Fait que eux autres, j'avais fait « Chris, la gang des quatre roues, c'est des maniaques. » Puis j'étais avec mon frère, on avait été dans ce parc-là, puis là, on était les deux là, puis là... On les avait arrivés. Genre, une semaine plus tard, j'ai fait, là, il faut s'en aller. La gang des quatre roues, la peur de mes gens, ils vont nous tuer. Puis on s'est emmené en courant. Puis, écoute, là c'est ça. J'aimerais ça revoir ça parce que Christ, que c'est pas clair. Hein. Il y avait comme un genre de marécage un peu. Puis, mon frère était un grand cible. Moi, j'étais une petite balle. Là. Fait que je me suis mis à caler comme si c'était des sables mouvants. Là. Mais c'est clair que ça devait être 4 pieds de boîte à peu près, ou même pas ça. Mais je hurle, je pleure, puis je suis en train de m'enfoncer dans la boîte, puis les quatre roues qui viennent en arrière, puis je pleure, puis je crie à mon frère Martin, aide-moi, maman, mourir. Puis lui, il pleure de rire, là. Son Oh, frère, rien de toi. ouais, il riait de moi, mais genre, il voulait m'aider, mais il était comme là, les nerfs, là, c'était la panique, mais traumatisme, vraiment, ça c'était un moment-là, j'ai fait, je vais mourir, les gars sont là avec les quatre roues, puis je suis pris. Tu sais, ça rappelle un cauchemar quand tu veux courir, puis tu peux pas, là. C'était comme ce feeling-là. Oui.
Je suis pas né là. Il n'est pas supposé avoir des sables mouvants qui restent à Saint-Antoine. Fait que sûrement que c'était rien. Ça devait être mon obésité mêlée avec un peu de boîte. Là, je ne sais pas, mais c'était la panique. Mais ça, ouais, j'ai eu Mais peur. t'as-tu attrapé? Ben non, je suis très C'est loin. rien passé. Ah, On oh, m'a il était jamais. loin, là. Ah, il était très loin, là. Ah C'est non. peut-être à 1 km, là. Il Non, mais je s'encolle. comprends. Hein. C'est quoi votre différence d'âge, les deux frères? 4 ans. Fait que lui est plus vieux, puis rien de toi, c'est ça? Oh. Ben, Oui, c'est mais. sûr, moi aussi, je rirais de mon petit frère. Si... C'est une petite boule qui panique dans un sable pas mouvant. Je sais pas. Je As-tu perdu comprends. tes running shoes dans la boîte? J'ai un feeling que j'avais comme des bottes à l'eau. C'est comme dans OK. mon souvenir. Puis, Ça ouais. s'enlève bien, ça, pour courir. C'est quoi? Ça s'enlève bien, tu peux facilement débarquer de la boîte, je ne sais Ouais, pas. c'est ça, mais je pense que j'ai comme débarqué justement, mais je pense qu'ils ont resté pris l'eau, on a emmené une. Ou, non, elle est comme très floue, je me rappelle, dans le bain, puis ma mère qui rit, puis tout le monde qui rit, puis moi, j'étais en panique, comme j'étais sur. Ta Un mère fois qui que chante. j'ai Ah! Mais il faut ouais. trouver l'adresse. Hein? Parce que moi, je veux voir si les boîtes sont encore là. Ouais, là, Peut-être que c'est encore pogné dans. c'est rendu des condos, puis ça finit ce temps-là. C'est plus impite, mais. Fait que c'est ça, enfant, ça a été ça, tu sais, dans le vide, avoir peur pour rien, là. Non, mais on n'a pas les mêmes peurs là, quand on est jeune. Tout, mais je te demandais ça pour l'espadrille, parce que moi, quand j'étais plus jeune, j'ai perdu une gougoune dans la boîte de même. Tu veux? C'était vraiment comme. Mais moi, j'étais la gardienne, genre de, tu sais, 12 ans, là, de Ouais. trois enfants. Puis il y avait une planche, là, tu sais, il faisait de la réno, en tout cas, c'est pas important, là. Bref, je marchais sur la planche pour aller, puis je niaisais. Ah J'étais comme la gardienne. J'étais, mais allez vous chercher! Puis j'ai comme tombé dans la boîte. Puis là, shit show, à chaque fois que je levais un pied, je calais avec l'autre. En tout cas, fait que j'ai perdu une gougoune, puis les enfants ont ri de moi. T'as-tu Parce que... perdu ta job? Mais non, Ouais. tickets. Ben Anywho. Fait que, ah, ben c'est cool. Puis t'avais ça, t'as eu une autre peur quand t'étais plus vieux, genre? ouais, deuxième maison qu'on avait achetée, moi, ma blonde, en campagne. Puis, tu sais, c'était une maison qui avait Ok, un peu pas mal plus marqué. vieux, là, comme. Ouais. On avait Léo qui était bébé. Fait que ça devait. J'étais dans la trentaine, là. Puis, c'était une grosse maison qui avait besoin de réno, mais c'était une grosse canadienne. 3 étages, mais tu sais, sous-sol vide, pas fini, où ce que la salle de chauffage, il y a comme des tanks avec des bassins un peu d'eau, un peu space, là, tu sais, on l'a acheté parce qu'on avait dit, OK, il va y avoir de quoi là, finalement, on est parti, mais dans les premières semaines, tu sais, ma blonde du sol, moi, je t'en tournais, elle avait un peu peur, on était vraiment en campagne, une grosse maison avec des tanks d'eau en bas, seul avec un chien, puis un bébé. Fait que, tu sais, on n'avait pas peur dans la maison, mais elle était je la sentais un peu sur le gars, un peu stressé par l'ambiance, un peu d'horreur de la maison. Puis un soir, on est là ensemble, Léo, il dort, le bébé. On écoute de l'horreur, justement, ma blonde aussi, c'est un film d'horreur. Je ne me rappelle plus trop c'est quoi. Puis on va se coucher. Là, tout va bien, mais genre 4 minutes, tu tombes dans le début du sommeil. Puis ma blonde réveille en panique en me criant qu'il y a un gars dans la chambre. Ouais, une C'était première fois. toi? Non, je t'ai couché à côté de lui. Il y a un gars qui est à côté de moi, c'est moi, si tu folle. Mais non, elle dit un gars. Mais tu sais, je suis comme Jésus. chuchoté, paniqué. Mais elle dit un gars, il est dans la porte, il est dans la porte. Il est dans la chambre, il est dans la porte. Mais hey, tabarnak, le cœur, on est dans le noir, dans la maison, on vient d'écouter de l'horreur. Fait que je suis juste. Je ramasse la lampe de chevet en l'arrachant, je ne sais même pas, je suis dans le noir. Puis j'avance en donnant des lampes, en faisant moi, le poignet m'emmener. Je pitche la lampe sur le bord de la porte, le cœur, les jambes, là, de la misère à avancer, puis j'allume la lumière. C'était l'autre lampe là, qui faisait un noyau sur le bord de la porte, comme une lampe sur le pied, faisait une tête. Puis... C'est ça, là, Chris, ça va. C'est un combat de langue. Ton bas de lampe, mais c'est un 30 secondes, tu fais, il y a quelqu'un, là, je vais me battre, on va probablement mourir. Ou... Qu'est-ce qui se passe? C'est 40 secondes, j'étais plus là, là, les jambes molles, tu fesses dans T'es le comme pit. nu, là aussi? Oui, c'est marrant. T'es Bon, comme ça, fuck ça it, je vais même. mourir tout nu, si ça Ben, va être oui, là. on battait avec une lampe, hey, c'est loser en asti, là, à Sainte-Sophie, d'une maison toute seule, mais ça devait être écœurant. J'aurais aimé ça voir ça après filmer, là, à la Le lumière, mot là, fin, de même, là, en oui, ayant peur, perdant. mais si comme la maison, elle avait déjà une ambiance bizarre, pourquoi vous l'avez choisie? Pour les lots.
Le haut, ça allait bien. Tu sais, OK. c'était le sous-sol qui était comme, puis c'était trop gros, tu sais, c'était notre comme deuxième maison. Puis là, on faisait, OK, ben, tu sais, sur le long terme, on va plus aider, on a un grand sous-sol. Puis, finalement, on est parti de là, parce que c'est une maison justement qui demandait peut-être trop de cash d'investissement. Donc, on est resté là peut-être 2 ans. C'était bien, là, mais c'était que le sol, on n'y allait jamais. En 2 ans, il n'y a jamais été. Puis c'était immense. On dans un gymnase, c'était un manque d'eau. Moi, ça allait, mais ma blonde, à chaque fois, là, c'était sous-sol épeurant. Ouais, on est parti après ça, mais ouais, ce moment-là. C'est deux moments, des courts moments. Moi, c'est des 40 secondes. Je fais adieu la planète, là, mais c'est short à Des tuer. quatre roues et des lampes, c'est ça tes pages. Un C'est gars. comme un élément récurrent dans ta vie de film d'horreur aussi. Hein? Ouais, l'horreur est quand même là. Ouais, T'es c'est une vraiment un genre. fan de films d'horreur? Pas maniaque, tu sais, des fois, je peux. C'est vraiment Brad White, mettons, qui se tape des films de série B japonais, obscurs, tout seul la nuit. Pas ce niveau-là, mais quand même, tu sais, oui, j'étais assez geek de connaître des productions de série B puis de films, justement. Japonais, tu sais, mais oui, finalement, je suis un fan d'horreur. C'est un genre qui peut me plaire, je trouve, très parodique, mais enfin, c'est tellement abstrait de. Ben, fin Jason, là, mais. Ensemble, pas sûr. Mais t'as-tu des phobies aussi, comme... Phobie, moi, elle va être méga lourd, là, mais c'est genre de survivre à mes enfants. Ben, c'est pas mégalo, là, moi aussi, c'est ça. C'est normal, Ça, j'ai eu de la misère à dealer, mais tout le temps, là, mon gars, il était malade, là, mal de cœur. Il était avec ma blonde, il vomit, je suis dans la porte, là, je marche, puis c'est correct, c'est l'ambulance, puis je suis blind. Le fait que ça va mieux là, mes premières années, c'était. là. Chaque nuit, puis là, elle me parlait des câbles, elle disait la mort subite du nourrisson. Là. Moi, Ça ça a fait capoter, ça. ben, c'est ça, toutes ces patentes-là m'ont rendu. C'est ça qui a généré des phobies, mais sinon, non, j'ai pas de phobie en vieillissant. J'ai un partenaire qui en a beaucoup, ça va mieux, Vincent, mais c'est un crispeur peur d'avoir peur. Là. Fait que, tu sais, Ah, le pour vrai? Oh Ah oui, ouais, tout. es-tu là? On peut-y parler? Va cogner dans Non, sa chambre. il n'est pas là, Chris, mais ça serait un beau cas, vous autres, des peurs, 4-5 heures. Mais Mais ça va mieux, il va mieux, il se contrôle mieux, mais ça a été majeur, Vincent. C'était ça, c'était peur d'avoir peur, je pense. C'était les vertiges, hauteur, avion, toute la maladie. Oui, il est très, très, très hypochondriaque. Fait que non, moi, j'étais un ah peu bête, j'ai pas rien de faire. Genre, ah, les serpents, ça me donne un ouais. frisson. Non, mais Ah. le truc des enfants, c'est comme normal, là. Tu sais, moi aussi, j'ai ça. Dès que, mettons, ils ont un rhume ou quelque chose, là, c'est comme dormir à côté de la bassinette, là, tu sais. Checker, avoir peur qu'ils arrêtent de respirer tout le temps. Ou je fais de la tournée avec Mel Couture, puis on est en char souvent, tu sais, mettons, à l'hiver, là. Puis là, les deux, mettons, on dépasse, tu sais, comme on rencontre une grosse vanne, là. Ouais, Là, ça, on se oui. dit... Asti, tu sais, s'il avait fallu, mettons, qu'il manque sa curve, là, on commence, là, puis les deux, Asti, on s'entraîne là-dedans. Oui, c'est pas sain, ça. Non, ça... La tournée l'hiver, on essaye de plus faire ça parce que trop loin, là, c'est la côte nord. Maintenant, on était plus rien, là, des blizzards. Puis là, fait, Chris, à Ouais. quel point on aime ça aller compter des farces? On va crever. Mais Qu'est-ce oui. que c'est? C'est méga dangereux. Puis c'est pas si vital. Là, on n'a pas livré de l'eau. Non, c'est Que... ça. Allons-y, mais que ça dégèle un peu. Ça, on peut, ça le permet. Je comprends que tu sais, une carrière, faut y aller. C'est comme ça, mais. Ouais, c'est aussi la route. Ça, c'est des affaires bien techniques en vieillissant qui viennent des phobies, je trouve. Là, Ouais, c'est ça. Tu sais, comme aller faire un 10 minutes à quelque part à l'autre bout du monde quand tu as 25 ans, c'est comme yes! Mais oui. Mais Moi, là, je je, vais moi je... faire. Non, vas-y. excuse-moi, je vais juste ajouter que moi, je ne fais pas de tournée, mais moi, ce qui me stresse souvent, c'est, mettons, quand je sais que mes enfants s'en vont au camp de jour, puis ils ne savent pas très bien nager, puis les journées de plage ou les trucs comme ça me gosse, là. Tu sais, ça me Ah, oh, mais stresse bien raide. ça, moi, je ne suis pas Oui, capable, ils ne ouais. vont pas. T'sais. Moi, je suis paramédic aussi, là, Ah oui, à temps ben oui, partiel. Là. ben oui, ben oui. Oublie ça. Moi, genre des ados qui s'occupent de mes enfants dans l'eau. Non. Non, c'est ça. C'était bon pour les cris de ralliement puis tout, là, mais tu sais, c'est ça. Je ne suis pas sûre, là. Au pire, je n'aurais pas de vacances, là, tu comprends? OK, ouais, non, moi, je suis peut-être pas, tu sais, comme je les inscris dans un camp de jour où il y a des tests de nage avant, puis ils ont toute une boîte, tu sais, ils ont tout un gilet, là, tu sais, c'est correct. Là, je choisis mes camps de jour, maintenant, non, je vais avoir des vacances, là, je les aime, là, mais en tout cas. Mais c'est bien, sinon, parce que c'est ça aussi, il faut faire confiance. Mais Jason, c'est le même, hein? C'est des coups de. Dans le jour, c'est naillé parce que les moniteurs, ça fourrait, là, tu sais. Attention, c'est dangereux. Je pense que mon Oui. fils, il est à la plage en ce moment, tu Ah oui. sais. Ah non,
Kitchen. Ah, c'est rien, c'est dans votre tête, là. Ah, pas ça. Tu vois, comme n'importe quoi, tu sais, on a eu du monde, mettons, qui disait, ah, OK, on est allé à Fort Boyard, puis les mains d'un serpent. T'es-tu allé là-bas, toi? L'as-tu fait, Fort Boyard? On a eu l'appel pour la version 2. Nous avons appelé deux années de suite, mais hey, ça va faire là, le chef-d'œuvre à TV. Là. Les cuissards, Vince qui a peur de tout, moi qui est en tabarnak. Qu'est-ce qui se passe, là, le pain fourré? Ça aurait été un bijou, mais non, trop de laideur. Pogner le bateau, descendre avec une poulie, puis le saut. Il voulait en Christ, j'ai compris. Là, face à deux, hey, Ben là, s'ils entendent ça, ils vont te réinviter, puis peut-être vont ajouter un parcours de sable mouvant juste pour toi. Ah, ben ça. Contre la gang des quatre roues, tout seul là-bas, peut-être. Ça va être juste ça. Pour vrai, j'ai juste Denis Barbu dans la tête qui envoie chier le père fou. Ouais, le petit délire pas comblé, crise de menterie. Ça pourrait être carré, mais non, ils ont essayé deux fois, mais c'est bien que c'est impossible. Mais en plus, c'était un beau cachet, puis c'est le voyage payé pendant une semaine là-bas, puis c'est comme un package, mais non, les limites. On dirait que tu regrettes. Pas filmé, j'aurais peut-être été, là, mais à TVA. Non. Ah, fait qu'à part à part Paul Opère Foura puis le Comedy Club puis tout, qu'est-ce que tu fais? Où est-ce qu'on peut te voir cet automne? On continue les fantastiques puis notre podcast. Je pense que cette année, ça va être ça. Pas mal pour l'année puis de l'écriture. Ça va vraiment être que ça. T'écoutes souvent à radio. Je t'aime bien à radio. Ah, eh bien, ouais. c'est un autre patent. C'est le fun. Puis au début, moi, ça a été une autre affaire qui a voulu me convaincre longtemps de faire « Viens, Seb, je t'écris. Comment on va me trouver dans ce show-là, à Rouge? Ma crowd n'est pas là. Tu sais, j'adore Véro puis plein, toute la gang, mais j'étais « Comment m'a trouvé mon ton là-dessus? » Puis finalement, oui, tu sais, c'est fine-tuné. Je joue un peu le gars qui n'est pas si fier d'être là, qui haït et tout, qui joue. Ouais, mais à un niveau sans être trop trash. M'excuse? Non, j'ai dit « Ça marche au bout, ouais. » Ah, ben c'est ça, ouais. En ayant trouvé le temps, je fais OK. Puis là, on est attaché à la gang, vraiment. Fait que c'est que du plaisir. Je fais pas de la radio temps plein, mais une fois de même ou 10 jours à peu près avec la gang, c'est vraiment le fun. Fait que c'est ça, sinon, c'est vraiment le Patreon. On va se concentrer là-dessus. C'est puis l'écriture, mais beaucoup, beaucoup moins de TV. De plus en plus, on va arrêter ces projets. Je vais faire nos patentes de plus en plus. Fait qu'un autre show à l'horizon en plus? Oui, il va y avoir un autre show. Okay. C'est cool, ça. Ah, j'ai hâte. C'est bon, ça. On va aller checker ça, les rince crème. Je te remercie d'avoir été là, c'est très cool. Un plaisir. Puis, n'importe quand, tu reviens, puis parle-en, Vincent. Il y a de l'air intéressant. Mais il y a peur des podcasts, fait que il y a peur de tout. Mais je vais dire certain, mais c'est un bon flash, puis bonne chance. Un podcast, ça, c'est très cool. Ça continue. Ben, merci. Merci d'être venu, puis n'importe quand tu reviens. Yes, sir. Thanks. Bye-bye. Bye.